Bonjour, c'est Lily Labulle. Je vais vous montrer comment changer un curseur ou alors le resserrer quand une fermeture ne fonctionne plus. Voilà. Bonjour, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les curseurs. Parce qu'en fait, souvent, quand une fermeture ne fonctionne plus, c'est-à-dire quand elle saute des mailles, souvent, bah là, elle est enlevée complètement, mais c'est-à-dire que souvent, ça ferme et à un moment donné, ça saute des mailles et ça s'ouvre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ben, en général, ça veut dire que le curseur, donc ça, là, le petit curseur, il est desserré. Il n'est peut-être pas forcément de très bonne qualité ou il a été trop sollicité. Du coup, on prend une pince et on va resserrer derrière. Bon, avant, du coup, comme le curseur est enlevé, je vais essayer de le remettre sur le rail, on va dire, avant de le resserrer. Je vais être obligée d'enlever des dents. Du coup, je fais une pause pour vous montrer ça. Donc, j'ai réussi à remettre le curseur sur le rail. Donc, comme je vous disais, souvent, quand le curseur est desserré, il saute des points et ça ferme pas. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on remet bien dans les dents. Voilà. On le remet bien. Attends. Voilà. Il est bien remis. Et on va le resserrer. Ah ouais. Donc je prends une pince, voilà, et je vais resserrer à l'arrière. Donc j'y vais, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, à l'arrière. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Du coup, normalement, ça devrait... Ah oui, et bien ça ferme. Maintenant, ça referme, normalement. Et j'ai même pas été obligée de sauter des dents et de refaire une couture. C'est formidable. Sauf que je crois que... oui, ben, j'ai cassé le curseur là cette fois. C'est pas grave, je vais en mettre un autre. Mais c'était pour vous expliquer quand même. Ouais, c'était pour vous expliquer les mécanismes. Voilà. Bon, ben voilà. Merci à vous.